Ok, du coup les chiroffs, on se retrouve sur Sprite. Donc voilà. Donc du coup maintenant, vous allez devoir choisir la personne que vous allez dessiner. Vous allez la porter en photo, du coup comme je l'ai fait. Ensuite, vous allez devoir commencer le contour de la personne que vous avez choisie et qui dit dans le cahier de soupe pour moi. Tout simplement, on se les chiroffs. Voilà quoi. Donc, vous allez devoir faire un contour. C'est vrai que ça va être en soudature. Voilà quoi, du coup. Il y a du montage et je me rends compte que ce que j'ai dit, c'est faux. Non, les gars, ce n'est pas ce qui. Le premier truc à faire, c'est déjà de cliquer sur le petit bouton 1 là. Voilà, il est tout beau, il est tout propre. Le petit bouton 1, vous allez cliquer sur le petit bouton plus et vous allez sélectionner 2. Et voilà. Du coup, il y a un contour bleu sur 2. Et lorsque vous êtes ici, normalement, il devrait voir écrit 2 et non 1. Il devrait y avoir écrit 2. Et maintenant, vous pouvez commencer votre contour. Bon là du coup les refs, je crois que j'ai terminé, en vrai je pense que j'ai terminé toute la partie de outlining. Du coup vous allez cliquer sur le petit bouton 2, du coup ça doit être sur 2. Vous allez maintenant mettre le truc bleu là sur 1. Ici on a opacité, vous allez mettre 0% et vous allez recliquer sur 2. Et bon maintenant, comme vous pouvez le voir, vous pouvez tout de suite constater que vous avez, qu'on a que bon voilà quoi, va falloir juste déjà continuer un chouïa ça ouais, du coup voilà quoi. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est obligatoire que ça vous le fasse, à part si la personne que vous avez choisie elle est très très facile à dessiner, mais voilà quoi, vous devez obligatoirement corriger certains trucs. C'est obligatoire. Sinon, c'est que vous dites que la personne que vous avez dessinée est très facile à dessiner. Ah, merde. Du coup, c'est très obligatoire que lorsque vous dessinez, ce soit sur 2, sinon ça va pas marcher. Ce que je vous ai dit. Voilà. On corrige. Bon, voilà. Là, on a déjà terminé toute la partie. Ah non. Non, vas-y, j'ai un petit peu la flemme de le faire. Vas-y. Bon, vas-y, j'ai un petit peu la flemme de le faire, mais je dois le faire. C'est pas comme si j'avais trop trop le choix.
il va falloir faire comme Michou, genre non, comme dans son tricot. Voilà. Vous allez devoir vraiment que ce soit hyper ressemblant, sinon, voilà quoi. Maintenant, vous allez prendre la pipette et vous allez sélectionner toutes les couleurs. Voilà. En vrai, c'est très facile à faire cette petite technique. Et du coup, si la technique vous a plu, vas-y. C'est la même couleur de Michou, ça, non? Non, non, c'est pas la même. Moi, c'est vrai que les gars, je sais pas pour. Je sais pas, mais je pense que ça. Qu'il y aura un petit moment, longtemps, où je vais pas faire de vidéos. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'essaie de faire maintenant des vidéos de bonne qualité. Je sais pas s'il y aura toujours la survie. Hein? Je sais pas trop. La survie, je pense qu'on va abandonner ça. En vrai, les gars, je suis désolée, mais j'ai pas trop le time, comme on dit, pour faire la survie. Je suis désolée, mais du coup, je pense qu'on va attendre. Vas-y, je sais pas moi. Peut-être la 1.18 et on va vraiment commencer la vraie survie. Mais parce qu'en vrai, je sais pas trop si la survie, on va la faire. Vraiment. Je sais pas trop si on va faire la survie du coup comme je vous avais promis les gars, mais je suis désolée, c'est pas ma faute. Ok. Bon là du coup les petits refs, va falloir faire un petit peu tout ça. Attendez. Va falloir faire les lunettes. Oula, les lunettes. Du coup, c'est un petit truc dégradé, genre. Du coup, on va choisir un petit gris, genre comme ça. Un blanc gris. En fait, comme ça. On prend le doigt. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Oupsi. On prend le doigt, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. On obtient la couleur qu'on veut et on peint tout de suite tout ça. Allez, et du coup. Et voilà les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? La peinture, c'est vrai. Et les gars, les lunettes, c'est ultra ressemblant. On va pas se mettre regarder. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas du tout de différence, les lunettes. Les lunettes, c'est vrai que ça, c'est hyper trop easy à faire. Mais en fait, les gars, je parle trop comme si c'était un tuto comment dessiner mes choux, alors que non, j'ai pris mes choux parce que je me suis dit, ok, lui, il a l'air stylé. Ok, bon, cette photo, il est stylée, j'aime bien mes choux. En plus, ça va pour moi me permettre de faire des vues en le mettant dans les stats de la vidéo. Du coup, je me suis dit, à quoi bon plus hésiter? Pas la croix. Ok. La vidéo, en vrai, elle va pas au moins être longue. Du coup, voilà. Voilà, les gars. Maintenant, je ne sais pas si vous avez terminé votre personnage, mais moi, j'ai terminé le mien. Et maintenant, je vais tout simplement vous montrer comment faire le truc que je vous ai. Le truc que j'ai mis en intro. Déjà, vous allez cliquer ici sur le petit bouton bleu et vous allez cliquer sur la caméra, sur la petite truc caméra, importer une image. Et ensuite, vous allez sélectionner, vous allez importer encore une fois le même personnage que vous avez dessiné. Voilà maintenant du coup le petit ref. Maintenant, vous allez cliquer. Voilà. Maintenant, vous allez prendre la gomme et regardez, c'est pas comme par magie. Regardez. C'est trop classe. En vrai, ça, moi, je trouve ça hyper classe à faire. Genre, en intro, genre, ce sera ça. L'intro de la vidéo, ce sera ça. En mode, moi, je vais faire comme ça. Voilà. Du coup, là, vous venez de visionner deux fois l'intro. Et voilà. Donc, du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bon, en vrai, vous connaissez la chanson, un like, un abo égale pour moi une journée de refaite. Donc du coup, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ah oui, c'est vrai que je t'ai décidé de Chumichibi.
J'y avais pas pensé ça, que je t'avais dessiné tuer les chibis. Bon, en vrai, je pense que bah, je vais vous faire une grosse une vidéo. Je dessine tous mes chibis et tout. Voilà quoi. Donc, ce sera un petit peu stylé. Donc, les gars, je vous dis ciao!